Et du coup, tu m'as dit que tu voulais quoi? Tu voulais un panier de basket? Oui, une poupée LOL. T'es dans une boule et tu l'ouvres et il y a une poupée LOL dedans. Ah ouais? Hello, la Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Les loulous, petit jour spécial, je suis de garde, je suis un peu nounou, quoi, aujourd'hui. Avec Linus. Je garde ma nièce et en fait, c'est pas tous les jours que je la garde et tout. Et est-ce que tu sais, il y a quoi la semaine prochaine? Mon anniversaire. Bah oui, et tu m'as dit quoi ce matin? Je sais plus. C'est quoi que tu t'aimerais avoir? Un panier de basket et une poupée LOL. Une poupée LOL. Et ben aujourd'hui, on va aller à Jouer Club et on va aller t'acheter une poupée LOL. Oh. Pour ton anniversaire. Je sais absolument pas ça ressemble à quoi. Du coup, tu vas te montrer. Voilà, tu vas me montrer. Tu vas me quitter dans le magasin et ça va être ton cadeau d'anniversaire. Ok, et t'auras quel âge? 8 ans. 8 ans. T'es une grande fille maintenant. Hein. Tu vas pouvoir noter dans ton petit carnet comme quoi, le jour de tes 8 ans, t'as eu une petite poupée LOL par ta tipite, quoi. Je noterai, c'est promis. Allez, c'est parti, je vous amène avec moi. On va aller voir un petit peu à Jouer Club, qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça ressemble une poupée LOL, etc. Tu vas me montrer un petit peu les jouets, toi, que t'aimes bien, les trucs que tu connais. Est-ce qu'il y a des tendances, là? Tu sais, quand t'es à l'école, il y a des tendances. Nous, à l'époque, c'était les Tamagotchi. Des fois, Obi, on aime bien jouer aux billes. Obi. Obi. D'accord. Je leur en prête des fois. Ah ouais? Parce qu'ils ont pas toujours de billes. La seule qui ramène des billes, c'est Elena. Ah ouais? C'est ma copine. Et toi, tu ramènes tes billes, toi? Bah oui. Mais c'est je top ça. Je pourrais dire que j'en ai 50. T'as 50 billes? Je sais pas, j'ai pas pris le temps de les compter. Okay. Je suis sûre, pour les compter, ça va me prendre un mois. Ah ouais? Eh bien, écoute, on va aller à Jouer Club. On va passer un petit peu l'après-midi ensemble. C'est parti? Let's go! Générique! On est avec aussi Tonton Vi. Ouais, salut, on est de garde. On est de garde. C'est quoi une poupée LOL? C'est une poupée qui est dans une boule et ses cheveux ils changent de couleur et son biberon aussi. Les enfants me fascinent. Oui, c'est clair. Ok, est-ce qu'il existe plusieurs... Oui, c'est une collection. Donc il y en a plusieurs des poupées. Oui. Mais toi, t'en as déjà ou pas? Non. Ça va être ta première poupée LOL. Et du coup, t'as un poupée LOL? C'est vrai, bonne question. En vrai, pourquoi poupée LOL? Bonne chance. Et le problème aussi, que comme on est de garde, bah il y a les pauses goûter. Et mental. Ça, c'est le gros problème. Franchement, quand il y a des gosses à la maison, il y a toujours des gâteaux et des bonbons partout. Ah ouais, non, mais c'est l'enfer. Hein. Non, mais du coup, et là, moi, je mange tout, du coup. Là, on est en train de boire du soda, on mange des goûters. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hein? Ça, c'est maman qui l'a acheté. C'est un masque poupée LOL. Ah, ça, c'est un masque fait, poupée LOL. Il peut l'exister, celle-là. Et ah, en fait... Bah, c'est comme les brats, c'est les tout. Les brats, c'est tout, ouais, je crois. Ouais. Toi, tu connais pas, Timmy, hein. Bah si, tu connais les brats. Non. Bah normal. Ouais. Mais ça revient grave à la mode. Dobby, il est de garde aussi. Hein. Mais non, vous me gardez, moi aussi je veux une poupée LOL. Mais ouais, je connais. Poupée LOL, je connais. Mais... Combien de restes? Ah, mais c'est vrai que toi, t'as des neveux et nièces aussi. J'ai un neveu. Ah oui. C'est genre de poupée dans une boule. Bah ouais. Oui, allez, bonne sortie à jouer. Bon, allez. Moi aussi, je veux un jouet. Ouais, tu veux moi, quoi? Moi, j'ai un Furby. Ça existe encore les Furby? Les Furby, c'est trop bien. Les Furby. T'as un Furby? Tu connais Furby? C'est ouf que la génération de petits maintenant, ils connaissent. Mais oui, mais c'est pour ça que Tamagotchi, je te jure, ça revient à la mode. J'ai vu des stories. Il marche plus. Tu vas donner quoi à manger? Je pense. Bon, c'est parti, Linus. On va où? À Jouer Club. Allez, c'est parti. N'hésite pas, prends tout ce que tu veux, elle paye avec la société. Non. Tu connais? Elle peut retirer la TVA et tout. Donc vraiment, si tu vois une poupée. Si tu vois une poupée, tu lui dis celle-là, je la veux. Non. Tu lui dis, mais Dobby, il a dit que j'avais le droit à deux poupées. Non, tu lui dis, de toute manière, c'est hors taxe. Voilà. Avec Tata Pidi, c'est parti, on est de garde. Toi, fais pas trop le mariole parce que demain, tu vas devoir t'occuper aussi. Bah. Alors, ici, juste ici. Non, mais Linus, t'es best life là. Mais Linus, elle est en BV, hein. Elle est en best life. Hein. Tiens. Merci. Pa. Voilà, du flow là. C'est vrai que c'est un peu grand quand même. Mais tu peux retrousser les manches. Moi, dans mon pantalon, quand il est trop grand, bah, Tu retrousses. Tu retrousses. Je fais pareil. T'as raison. Hein. Bon, Linus, je veux avoir un avis. Tu le trouves comment le papier peint là? Beau. T'aimes bien le côté un peu vache? Bon, bah les gars, on va laisser ce papier peint. Non. Linus, elle l'a validé. Ok, on dit Linus parce que c'est son petit surnom, mais elle s'appelle Lina, hein, sinon. Oh, c'est vrai qu'on l'appelle toujours Linus. On l'appelle toujours Linus. En vrai, t'as du flow ou pas là? Avoir du flow, c'est genre t'es toute belle, t'as la classe quoi. Là, t'as du flow avec tes lunettes. Vas-y, mets tes lunettes. Oh là 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 là. Bon
bah Tati Pid, je m'occupe très très bien de ma nièce. Hein. Tout se passe bien. Ouais, pas plus, t'inquiète. Tu l'aimes bien? Oui. Elle est cool, hein? C'est un petit bébé. Bien attaché? Oui. C'est parti. Ride toute la night. Wouh. C'est qui ton chanteur préféré? Stromae. T'aimes bien Stromae? Et c'est qui ta chanteuse préférée? J'ai pas de chanteuse préférée. T'as pas de chanteuse préférée? Non. Et toi, c'est quoi ta chanteuse ou ton chanteur préféré? Moi, j'aime bien un chanteur Justin Bieber. Bon, bah Linus, on est presque arrivé. Ouais. On va se garer là. Ah, j'en ai marre de ces lunettes. Bah ça fait star un peu, c'est toi la star. Hein. Allons-y, let's go. Tout est sous contrôle, le frein à main est mis. Ouais, parce que une fois dans un film, ouais, dans une série, ouais, le petit Nicolas, et ben il y avait un monsieur, il avait obligé de mettre son frein à main et du coup la voiture elle a reculé. Ah bah oui. Faut pas oublier de le mettre son frein à main. Faut pas oublier de le mettre son frein à main. Les poupées LOL. Super, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil. Ah bah voilà les poupées en boule. Ah c'est, hein c'est ça. Ah ça ressemble à ça. Bah oui. Ah mais moi je pensais que c'était une poupée quoi, mais si j'avais été toute seule j'aurais jamais trouvé. Ok, super. Si c'est des collections, bah j'imagine que ça en est une, deux, trois et quatre. Laquelle t'aimerais avoir? Je vais prendre une de celles-là. Comme ta Tipeee est généreuse, tu peux prendre une deuxième poupée LOL si tu veux. Oh, je vais prendre une de celles-là. Une de celles-là? On prendrait pas un petit jouet pour ou un petit doudou pour ta petite sœur? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Il va falloir demander un petit papier cadeau. Hein. Ouais. On les ouvre? Regarde tout le paquet de jeans qu'il y a. T'es content, Lina? Oui. Deux poupées LOL et t'es super gâtée. Hein. Deux poupées LOL, Linus. C'est pour ton anniversaire, Linus. Ça fait vraiment daron tes lunettes. Hein. Mais c'est quoi ça? Mais moi, je pensais que c'était une poupée. Pareil. Une poupée que tu brosses et que les cheveux étaient colorés. Moi aussi. En fait, c'est une poupée qui est dans une boule disco. Oui. Donc ça, c'est une poupée LOL. Oui. D'accord. Okay. Et tes copines, ils ont des poupées LOL. Oui. Mmh. Ça va, Scotty? Toi, t'en avais pas encore. Non. Donc, c'est ta première poupée LOL. Donc là, c'est ta première... Oui. Ah, et en fait, la boule, ça fait son trône. Oui. Et c'est une boule disco, maison. En fait. Ah. Ça fait sa maison. D'accord, c'est sa oh, maison. Oh, un diadème. Waouh! Ah. C'est pour être queen ça! Voilà! Waouh! La poupée LOL, les loulous, bah écoutez! Je m'attendais pas du tout à ça! Vous avez vraiment fait toute la route vers les TV et tout pour ça? Oui! Queen de nos! Queen de nos! Mais je savais pas moi qui avait des diadèmes comme ça en plus! Ah ouais, non mais c'est top ça! Hein. Je le savais pas! Ah ouais, non mais c'est fou hein! Alors maintenant on ouvre celle-là! C'est fou hein, dit! C'est une petite fille. Oh. Mais en fait, leurs têtes, elles sont vraiment trop marrantes. Eh. T'as vu? C'est drôle, hein. Waouh, un petit podium. Ah, mais des poupées LOL, c'est vraiment des petites poupées en mode soirée disco, quoi. T'as un laser. En vrai, cette poupée-là, elle est trop bien. Tu peux l'habiller et tout, il y a un slip. Tiens, des lunettes. Oh, des lunettes. Comment on l'appelle, celle-là? Je sais pas, comme tu bon, veux. Bon, on peut lui donner un petit prénom, hein. Comment elle fait son petit laser, là? Le bouton là. Oui, mais elle le tient pas en la main, quoi. Non. En vrai, celle-là, elle est vraiment pas mal hein, comme poupée LOL. Même des petites chaussures et tout. Ah ouais, non, mais tiens. C'est drôle en vrai. Tiens. Je pense que cette poupée-là, elle est prête pour passer tes 8 ans. Hein. Elle est clairement un birthday time, celle-là. Hein. Bon, et eh bien, on aura découvert ensemble ce que c'est d'elle des poupées LOL. Moi, je savais déjà ce que c'était. Ouais, bah, moi, je savais pas. On va demander dans les commentaires si eux y connaissaient. Si jamais vous avez des enfants, des fioles, des nièces qui collectionnent les poupées LOL, et bien nous, sachez qu'on a... Est-ce qu'elles ont des noms ou des références? Attends, je vais regarder. On a la poupée Queen et on a la poupée Dance. La poupée Dance? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Mais en fait, on a vraiment bien choisi. Hein. Petite vidéo pour faire plaisir à ma petite Linus. J'ai hâte de montrer ça à maman. Bah oui, bah moi aussi, j'ai hâte de montrer tout ça. Hein. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, j'ai adoré. J'adore faire plaisir et ça, c'est ce que j'aime. N'hésitez pas à faire plaisir à vos proches et à profiter de chaque instant. C'est super important. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao. La semaine prochaine, tu fais une vidéo? Bah, je sors les vidéos deux fois par semaine. Et la semaine prochaine, tu vas faire quoi comme vidéo? Faut t'abonner pour savoir. Ouais, j'ai hâte de savoir. Merci beaucoup pour mon cadeau d'anniversaire. Mmh.
Waouh, t'es gâtée, hein. Poupée disco, let's